RTL de Niort, RTL de Sport. Ils seront 11 000 coureurs à se retrouver à La Rochelle dimanche, jour de la marche mondiale pour le climat. Et tous vont participer à l'une des quatre courses prévues. 7 000 prendront le départ du marathon et parmi eux, un jeune de 26 ans, Julien Moreau. Il a le projet un peu fou de courir deux fois ce marathon, donc de faire plus de 84 km pour la bonne cause. Écoutez-le. Si je fais ça, c'est pour attirer l'attention sur l'ONG Nature Révolution, qui agit à Madagascar pour la conservation du massif du Makai. C'est pour avoir un impact concret en finançant l'éducation des enfants des villages à la lisière de la forêt pour participer à la conservation de cet environnement. Et si je fais ça, parce que depuis que je suis enfant, on entend partout qu'on doit faire attention à l'environnement, que l'activité humaine dégrade l'environnement, que nous la détruisons. Et nos parents en ont pris conscience. Et nous serons la génération de l'action. Et courir deux fois de suite un marathon, c'est une manière d'illustrer l'adversité, la difficulté du challenge à laquelle nous faisons face, qui est la crise environnementale. Son objectif, récolter 2000 euros. Julien Moreau sera entouré d'amis dimanche qui pourront récupérer les dons des personnes sensibles à cette cause, sachant que 2000 euros représentent le financement de deux instituteurs pendant un an à Madagascar. Et pour ceux qui ne seront pas présents dimanche, il y a le site internet julienmoreau.org pour avoir tous les détails pour soutenir cette cause. Le retour du son pop rock, c'est tout de suite sur RTL de Niort.